Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pâtisserie, la recette de Rocher Coco qui sont des amuse-bouche très faciles à réaliser. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de noix de coco râpée, donc 150 g, 225 g de sucre en poudre, 2 blancs d'œufs et le petit plus 15 g de compote de pommes. Et comme ustensile, vous aurez besoin d'un saladier et d'une spatule. Avant de commencer la recette, assurez-vous de mettre de l'eau à bouillir dans une casserole parce que la recette se poursuivra au bain-marie. Donc pour commencer, je viens renverser ma poudre de coco dans mon saladier. Puis je rajoute le sucre et je mélange. Je rajoute ensuite mon blanc d'œuf, ou du moins mes blancs d'œufs. Puis mes 15 g de compote de pomme. Et je touille à nouveau. Et à cette étape, je continuerai le mélange au bain-marie. Donc une fois que mon eau se met à frémir, je vais poser par-dessus mon saladier et continuer à touiller le mélange. C'est de prendre un saladier arrondi, je vais dire, pour plus de stabilité. Donc là, il s'agit de vraiment touiller jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Alors, après à peu près 10 minutes, on se rend bien compte que la texture a bien changé. Voilà. Donc à cette étape, je retire du feu et vous me suivez pour la suite de la recette. Mon mélange ayant tiédi, je vais venir former des boules en faisant ça. Dans un plat allant au four, je viens mettre tout au fond du papier sulfurisé. Voilà. Sur lequel je viens poser ma boule. Pendant ce temps, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Avoir formé toutes les boules, vous passez vos boules au four à 180 degrés 2 à 3 minutes à peine. Dès que les boules sont dorées, vous les retirez du feu. Alors, chose importante à rajouter, c'est que en fonction du type de four que vous avez, la cuisson des Rocher Coco peut varier de 2 à 4 minutes. Donc c'est une cuisson à surveiller. À bientôt.